Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain Mercy. Bonjour à tous. Pour commenter ce deuxième match de la compétition qui oppose Arnhem City et Kingsley FC. Donc Arnhem sera dans un dispositif assez classique, 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants, avec un capitaine, le gardien, Bouzem Boua. Pour ce qui est de la composition de Kingsley, on aura une formation assez différente des précédentes, hein, puisqu'on va avoir un 3-4-1-2, avec un trio au milieu, Fortier, Diane Blanchon et Martel, qui s'annoncent assez puissants, et le capitaine, bien sûr, Max Lapalu, en défense. Arnhem qui a gagné le pierre feu ciseau et donc Adam qui est au coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. On a déjà vu un beau match avec Linton Rashford. Arnhem qui sera en noir et Kingsley qui sera en blanc. Il s'agit pour les deux équipes du premier match de poule de leur groupe, le groupe B. Donc c'est un match qui est important. C'est le match d'entrée dans la compétition. Donc les deux équipes vont pouvoir se jauger. Ça nous promet un beau spectacle. Nous rappelons que cette compétition est composée de deux groupes, de trois équipes et que les deux premières se qualifieront. C'est donc un match important pour les deux équipes et Arnhem s'impose en favori au vu des matchs préparatoires. A noter que l'arbitre de la rencontre sera Thibaut Saadin. Qui vont pouvoir peut-être faire une contre-attaque là, avec Dylan Blanchon. Martel qui a contrôlé. Oulala. Non, c'est pas faute, ça joue. Le joueur est resté au sol. Non, y'a rien du tout, hein. On voit le replay là. La première frappe du match arrêtée par sereinement par le gardien avec un long dégagement. On va voir le replay. Ouais, une belle frappe hein, qui pouvait peut-être rentrer, on sait pas. Les équipes se jaugent. C'est ça. Martel qui va faire une passe longue vers son attaquant. Très belle. Oh là là, c'était une grosse occasion pour les Blancs. Il revient très très bien sur cette action. Attention les Noirs, hein, deux grosses frayeurs. Fortier, on le connaît, il est fort. Sur ces passes comme ça là, oula, c'est bien défendu par Flageol. La défense qui dégage. Là c'était une belle occasion, une belle passe, mais ça a été contré par Flageol. On voit que dans ce début de match, les Blancs sont très agressifs. Déjà 3 occasions en très peu de minutes. On n'attendait pas ça, hein. Les Noirs qui souvent sont très offensifs. Une petite main de Martel. Son but c'était difficile, mais ouais. L'arbitre a décidé de ne pas siffler. Il faut toujours écouter l'arbitre. Allez, peut-être avec... Première occasion. C'est Belaïdouni, ouais, c'est Belaïdouni qui va... Ah, il s'enferme un petit peu. Bounazi. Bounazi qui tombe tout seul. Ah, et Ferreira qui est bien revenu, mais Belaïdouni qui a... Non, Martel qui va pouvoir dégager. Bon jeu des défenseurs blancs qui ont su entourer le joueur. Ah, il a pas dû, on le sait, il peut dégager loin, il peut dégager fort. C'est ce qu'il fait. Et c'est un replay de Belaïdouni. Bonne action, Matteo Bounazi qui n'arrive pas à se relever. Et là, c'est parti avec Dylan Blanchon. On connaît sa vitesse. Ah, c'est bien défendu, Flageol qui défend bien en ce début de match. Là. Là, on le voit, il est bien. Bien. Là, on a le frère Blanchon, Kevin. Il une passe avec Ferreira. On voit qu'ils aiment beaucoup jouer sur les côtés, avec des longues passes. Flageol qui défend bien, encore une fois. Hein. Bien présent sur les attaquants adverses. Rate son passe, et voilà, c'est complètement raté là. Complètement dévissé cette frappe. Peut-être le terrain, peut-être. Ouais, on sait pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire. Des belles passes dans leur défense. Portier qui. Il passe pas, ouais, il passe pas. Oula, c'est un cafouillage là. Hein. Ferreira qui frappe, oh, c'est bien contré par Amadio. Et là... Blanchon qui... Ouh là, la frappe elle passait bien, je pensais qu'elle était cadrée. Mais c'est bien contré par la croix. Et là on revoit hein, le dribble. Mais c'est bien rattrapé par Ster, mais non, en fait c'est un cafouillage. Et voilà, c'est très compliqué à décrire cette action. Et voilà, la frappe, je pense qu'elle est au but. Hein, sans la profondeur, et elle aime bien prendre des espaces. Et pour l'instant, les deux équipes qui défendent bien avec Lacroix, qui se démarque plutôt bien chez les Noirs, bah encore lui là, voilà. Et Flageol qui dégage. Allez, Vivo. Il est en short de plage, hein, vraiment. Bernard, qu'on n'a pas beaucoup vu. Moi, je m'attendais beaucoup plus de lui. On va peut-être voir sur la suite du match. Il allez, la contre avec là, oulala, la bonne passe. Le gardien qui sort bien. Oulala, cafouillage. Oh, c'est raté. C'est là où ce qu'il nous a fait, la Ferreira.
Là, on voit bien la belle occasion de Diane Blanchon là, qui fait une belle passe en plus. Dommage que le gardien sorte. Et là, Ferreira qui avait juste à 2 cm plus près. Oh là là. Et Wazemboa qui va pouvoir dégager cette balle. Première grosse sur froide hein, pour oui. Arnhem. Peut-être. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oula, il avance. Oula. Le dribble de joueur, mais c'est bien repris par Azoulay. Là, il a bien dribblé quand même, hein, le joueur de Arnhem. Oh, la belle passe, elle est bien. La belle passe. Il y a un replay là, sur la passe, ouais. Ouais, elle est magnifique cette passe. Le contrôle de poitrine, contrôle mamelle. Elle est forte, et là, une belle passe, il l'a bien vu. De nouveau pour Ferreira. Qui a peut-être centré, on sait pas ce qu'il va faire. Une occasion, ah, il a tapé le petit pont là, mais c'est bien repris par Flajol qui est vraiment le maître de cette défense. Occasion manquée, hein. Il y avait Bieler qui était dans la surface, qui attendait le ballon, malheureusement. La différence. Déjà pour Flajol, encore lui. Oh là, ça joue bien là. Oh là là, très beau jeu de passe. Malheureusement, c'est perdu. Mais Martel qui revient bien, et là, Ferreira qui va pouvoir encore une fois, tête centrée. Oh, Flajol qui défend bien, mais c'est beau. Spectacle. Une récupération des Noirs. Ravaggio, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va pouvoir jouer tranquillement, pas du tout. C'est une touche pour les Noirs. C'est un très beau tacle. Hein. Ouais, c'est bien joué. Il était important. Et encore une touche de Ferreira. Il a bien vu Fortier, Fortier, oula. Fortier contre Fortier qui passe. Il vit. Oh là 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 là, quel but magnifique. Qui prend un contre-pied le gardien avec un contrôle babine comme on dit dans le, comme on dit chez nous. Ah là, il célèbre comme Cristiano Ronaldo. Quelle passe déjà en touche. Et le contrôle est bien, mais la croix qui s'évite. La croix qui s'évite à voir là. On se contrôle. Cette déviation du PEC et cette frappe en contre-pied magnifique. Le gardien ne pouvait rien faire. En plus, le gardien, ah ouais, qui plonge pas assez, ouais. On l'a vu sur cette image. Et là, il célèbre à tous. C'est une belle cohésion d'équipe. Mais c'est mérité pour l'instant pour ce début de match. Salem, des gros dégagements directement dans les bras du gardien. Donc là, qui dégage directement sur son attaquant. Encore Ferreira. Ferreira qui est sur tous les ballons, décidément. Et encore une touche. Est-ce qu'ils vont nous faire la même? C'est bientôt la mi-temps, peut-être pour marquer un deuxième, là, pourquoi pas. Ah oui. C'est le terrain, il est difficile. Les contrôles, on a vu là, Amidia, qui passe quand même. Hein. Une belle passe. Bernard, oui, la vitesse de main, la palue fait la différence. Très très serein, la palue. Et là, vous préférez jouer à la sécurité. La jouer à la sécurité, on est aux abords de la mi-temps. C'est vrai que prendre un but maintenant, ce serait un peu con. L'arbitre qui nous signale 5 minutes de temps additionnel. Tiens, il y a une belle contre-attaque de Flajol là. Benazi qui va essayer de défendre, mais il est mis dans le vent. Flajol qui a frappé le vent. Décidément. Le vent est parmi nous. Amidia, oula, Amidia. Amidia qui passe deux joueurs là. Il est très très bon en dribble, on le sait très bien. Troisième joueur passé. Ah, il s'est bien défendu quand même. De la part. Il a réclamé une faute. De Azoulay. Et une faute, j'ai pas vu. On va revoir. Ah, c'est un petit truc. On sait pas. Et peut-être le pied de Azoulay qui est sur. Pas bien d'avoir, on n'arrive pas bien d'avoir, ouais, petite faute. Donc un corner. Non, c'est le corner, ok. Ouh là là, le pied en l'air de Max Lapalu. Flajol. Allez, là, Denis. Il va peut-être pouvoir se retourner, mais il y a Mato derrière lui. C'est Ferreira, hein, Ferreira, mais il est partout aussi. Les deux joueurs en vue aujourd'hui, là, c'est Ferreira et Fortier qui a marqué. La première mi-temps était très convaincante pour Kingsley, qui nous a proposé de belles choses, beaucoup d'occasions. Arnhem qui a su revenir en fin de mi-temps. Et oui. Et ben on va vous laisser avec les interviews de mi-temps et on reprendra juste après. Voilà, vous semblez en difficulté. Est-ce mérité d'après vous? Bon, on a fait pas mal d'erreurs. C'est des erreurs à régler, à fixer. C'est deux, trois petits problèmes, mais en soi, on sait qu'on peut maîtriser et gagner le match. Donc on va régler ça en deuxième mi-temps. Ils sont bons en face. Ils sont bons.
Ils ont une défense qu'on peut largement passer. On perd les ballons sur des déchets parce que manque de communication, donc il faut juste régler ça. Mais je sais qu'on a du potentiel. Manque de communication, ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant. Dernier moment, ils jettent la balle devant. Donc forcément, ils redonnent la balle. Mais en vrai, on a une très bonne défense. Ils ont géré et ça va bien se passer. Il faut juste qu'on parle plus et voilà. C'est un très bon début. Redécouvrez de manière offensive ou plutôt sécuritaire? Plus offensif. Ouais, au niveau défensif, ils sont passés qu'une seule fois dans la défense centrale. Donc pour l'instant, on gère. On est plutôt agressif en attaque, mais manque de précision et d'explosivité. Du coup, on va resserrer ça sur les demi-temps. Pour l'instant, oui. Et on pourra faire On va faire mieux. C'est bien. Okay. Et nous revoilà dans cette seconde mi-temps, Kingsley qui mène 1-0 face à Arnhem, c'est une sensation. Arnhem qui était les grands favoris, on va voir s'ils peuvent revenir dans ce match dans cette seconde mi-temps. Et belle surprise de l'équipe de Kingsley, on ne voyait pas venir. Vas-y, qui joue très physique. Allez, le duel entre les deux meilleurs joueurs de chaque équipe là. Amidia qui, Amidia qui passe, si, Nazi, bon. Nazi pris de vitesse. Amidia. La Valu et Comte qui va pouvoir dégager tranquillement. La Valu qui a bien suivi. Il l'avait vu. On voit son petit coup d'œil là. Et il suit tranquillement Amidia qui... Ah bah il compte même la balle, j'avais même pas vu. Du coup c'est un corner pour les Noirs avec Daoud. Parti avec Dylan. Dylan de... Dylan de... On connaît sa vitesse. Le terrain n'est pas... Oula, Vivo. Bien défendu. Dégagement de nouveau de Bouzengoua. On revoit la belle feinte et Musée qui est dans le vent. Attends, Yann Blanchon qui est reparti avec le ballon, qui rentre dans la surface. Peut-être une occasion de frapper, il frappe. Oh là là. C'est bien arrêté. Mbemboa, on connaît. Hein. Kevin Blanchon. Belle frappe. Deuxième frappe là, et ça enchaîne directement. Oh là là, c'est bien joué. Mais le rebond n'était pas propice à une frappe là. Le feinte de Kevin là. Et la frappe au-dessus de la cage. Et on revoit la première frappe de Diane Blanchon qui était pas mal quand même. Hein. Dans un angle un peu fermé. Matlack qui est quand même bien revenu. Mais qui aurait pu surprendre le gardien? Amadio, un plus lourd. Il doit pouvoir-t-il avancer? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ce louche là? Il a voulu peut-être faire partir un de ses attaquants, mais c'était mal joué. Il a voulu qu'il tente une passe en profondeur. Ils sont deux contre un là, il va pouvoir. Oh, bien défendu de la part de Zoulay là. Récupéré par. Il est bien resté sur ses positions. Et Brunazzi qui défend bien. Il sait pas avoir pour une fois. Il les a compris, il a réfléchi. Zoulay. Il faut qu'il a essayé de passer là, qu'il a essayé de passer, mais c'est dommage, il a un peu la hargne. Allez avec. Ça une belle passe. Avec Adam sur Matisse. Le centre, oula, c'est bien défendu, mais Fortier est de partout sur ce match, c'est fou. C'est pas l'homme du match, je ne comprends plus. Il défend, il attaque, il marque des buts, il fait des belles passes. Et Max qui avait bien suivi aussi. Hein. Et on le voit là, Arnhem est déjà en danger hein, parce que s'ils perdent ce match, ça veut dire qu'ils vont jouer à la deuxième place. Dès qu'Arnhem en plus pourrait tomber contre le premier de la poule A, Linton, qui nous a proposé un beau spectacle, le premier match. Touche directement, à profondeur avec Max, c'est pas lui qui suit bien maintenant. Daoud qui va peut-être centrer. Centre très mauvais, il y avait Belaïdouni qui était en retrait. Le gardien est quand même très bien sorti. Il n'a pas vu Belaïdouni là qui était tout seul en plus. Et le gardien qui est bien sorti. C'était une passe très compliquée, mais Belaïdouni qui est bien récupéré. Max qui défend bien. Ah, yes, on sortira en corner. Là. C'est quand même bizarre parce que les Noirs. Ils jouaient très très bien au match préparatoire et là ils ont du mal à créer l'occasion, mal à marquer des buts. Peut-être qu'ils sont pas dans leur jour, je sais pas. Peut-être trop de pression aussi. Bah, c'est vrai que cette pression du favori doit peut-être être compliquée à porter. C'est procurer des espaces. De encore nouveau. Ah, Amidia, ouais. Amidia, c'est plus compliqué de passer. Allez, là, avec une belle occasion avec Belaïdouni, mais Prunazi. Prunazi qui est sur le ballon. Qu'est-ce qu'il. Ah, il repère la balle directement avec Belaïdouni.
Lui qui se fait avoir aussi, mais une frappe très très faible. Et ouais, on revoit l'action, là, Brunazzi qui revient bien défendre, mais qui perd le ballon directement après. C'est dommage. Brunazzi qui est quand même meilleur sur cette mi-temps. Celle d'avant, il se faisait avoir à chaque ballon, là ça va. Et Herrera de nouveau. Enfin... Et Kevin Blanchon, là. Physique de Salem qui voyait Kevin Blanchon n'avait pas crête. Allez, vivo la frappe. Oh là là, la frappe complètement ratée. On va la revoir là. Et Matlack là qui aurait pu un peu plus contrôler. Oula. On a un beau duel Fortier-Media, moi je trouve, sur ce match là. Voilà, belle reprise de la part de Martel. Allez, Bernard qui rate sa passe. Mais Bernard là, la frappe. La ah oui. Là, c'est un vrai corner. Et on voit que les rouges là s'échauffent derrière. Hein. Sanfield s'échauffe. Ils ont des matchs importants à venir. Et d'ailleurs, en parlant de Sanfield, là, avec la prestation que Kingsley nous fait, peut-être pourront-ils prétendre à une première ou deuxième place, vu que les champions de Arnhem ne sont pas dans leur moment. Avec Blanchon, Blanchon la vitesse. Ah, elle passe ratée. Elle passe en profondeur pour son frère, mais il est noir et il est sur la trajectoire. Ouh, la balle passe d'Amidia, avec sa technique. Jeu. Et Fortier qui récupère le beau duel. Hein. Peut-être une frappe. Oh là là, la frappe elle était puissante, je crois bien. On va peut-être avoir un replay sur la frappe. Ouais. Je sais pas si elle passe de loin, de loin. Ouh là, elle passe juste à côté, dommage. Allez, avec les deux frères là qui jouent ensemble, forme de frappe. Allez, pour Ferreira, une frappe peut-être, il en a pas fait pour l'instant. Ah, bien. Bien le gardien. Frappe un peu molle, mais la tension était. Donc... On revoit. Hein. Je pense un peu plus forte et un peu plus haute, ça passait peut-être. Ferreira très en vue sur ce match. Contrairement à Bieler qui est un peu moins en vue. Bon centre. Peut-être que. Oh là 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 là, la défense. Et quoique. Quel cafouillage. Voilà, ça, cafouillage. À tout moment, ça peut passer. Oh, sur le poteau, c'est n'importe quoi cette action. Et bien, Blanchon qui va peut-être recentrer directement. Voilà, le centre raté. Le centre est raté. Ah, il est un peu profond. Bieler qui va pouvoir peut-être recentrer. Fin de frappe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi cette action. Ce match est fou. Les deux équipes nous proposent un spectacle sur cette action là. Oh là là, ils essaient tous pour lever, ils essaient tous de tirer, mais... Ils sont 4 devant les cages, les Noirs, là. Et là, ça repart directement avec Blanchon, avec Fortier. Une nouvelle frappe. Oh, là, j'ai cru que c'était dedans. Je croyais que c'était dedans, et en fait, c'est à côté. Fortier qui est très très en forme. Hein. Et on le sait, il a bien préparé ce match. Son niveau de frappe est excellent, hein, mais tout petit peu à côté. Là, on va revoir l'action d'avant, là. Ah, c'est fou. Ils s'en veulent, les joueurs de Kingsley. Dommage. Contre favorable pour Salem. Oh là là, mais Fortier, il est impassable. Kevin Blanchon là. Il est parti, regarde lui, Louisbeau à côté. Ah ouais, non, il aurait dû faire la passe à Louisbeau qui était tout seul. Il y avait également Bieler qui était sur le côté gauche. Ah là, c'est dommage, une occasion gâchée comme ça. C'est un peu précipité. Oui. Bieler était vraiment tout seul, il avait un boulevard devant lui. Même une ruelle. Une avenue. Enfin bref, tous les synonymes sont bons. Il était couvert. Oui. Ah, ouais. On voit également Glasgow qui s'échauffe pour leur deuxième match. Leur premier match, c'était pas joyeux. Ils se sont fait un peu humilier par l'équipe de Lincoln. Allez, avec Hepster. Hepster non plus, il a pas fait un bon match. Hein. Il doit s'en vouloir. Qui nous annonce 9 minutes de temps additionnel. Voilà, 9 minutes de temps additionnel. Allez, Hepster. Hepster qui rate encore sa passe, il s'en veut, on l'a vu là. Ce geste de frustration. Ouh là là. Et encore une belle passe, mais c'est fou de faire des passes comme ça. Le vent qui l'a balayé. C'est vrai qu'il est tombé tout seul là. Oh, il dribble un là, peut-être. Et il aurait pas dû jouer comme ça, il aurait dû la frapper celle-là. Il s'en veut, il s'en veut. C'était une belle occasion. Il était pas sur son bon pied, il était pas sur son bon pied. Il avait bien dribblé Matrice Lacroix.
récupération des blancs dans une, oula, dans une zone dangereuse. On sait pas si c'était une frappe ou une passe, ça. Fortier qui va jouer avec Herrera sûrement. Fortier, je pense que je l'ai dit au moins 150 fois pendant ce match, hein. C'est vraiment, c'est fou, il est partout. Ah, là, c'est bien taclé de Mathis Lacroix, mais ils sont deux. Une belle touche longue, Fortier qui récupère directement. Belle passe pour... qui rate son tour de la tête. Dommage. Oui, ça, c'est, il s'est pris dans la gueule, comme on dit, hein. Dans la babine même. Et là, ça va être peut-être une occasion pour les Blancs, là, pour finir ce match en beauté. Centre. Oh, dommage. Lou Vivo qui est pas sur des appuis et Kevin qui rate. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc, il prépare le ballon pour Musée. C'est gentil de sa part. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ilan qui contente de nouveau une percée, un bon centre. Ah, dommage pour son frère là. Oh là là, c'est fou de faire des belles passes comme ça, mais de rater Matla qui défend bien encore une fois. Sûrement le dernier corner de ce match, la dernière action. Ah là, les Noirs là, ils doivent s'en vouloir là. Hein. Ils n'ont pas été très offensifs, ils ont loupé leur occasion. On va essayer de régler ça pour le prochain match contre Stanfield, mais là c'est compliqué hein, pour eux aujourd'hui. Les Blancs qui ont bien tenu. Bien dégagé. Martel. Martel qui aurait pu faire sensation là avec cette frappe, mais c'est dommage. Du gardien. Allez, c'est la fin du match. 1-0 pour Kingsley. Ils sont donc premiers de leur poule pour l'instant. Arnhem qui doit se ressaisir pour espérer pouvoir se qualifier. Déjà dos au mur, croyez-vous encore toujours au titre au vu du résultat ? Oui, oui, clairement. Ouais. Oui. On a commencé, c'est le premier match, on a démarré doucement, mais après, je pense, on va plier les classiques. Là, c'est une montée montante. Voilà. Une montée montante ? Ouais, c'est plus, c'est le, ouais. C'est le haut, toujours plus succès. Et la prochaine, ça sera la bonne. Ça sera la bonne, je pense. Parce ouais. Voilà. Ok, bah, ils ont l'air sûrs d'eux, je pense que. Ouais, on a l'air très sûrs. C'est bien, c'est bien. Du coup, vous vous offrez probablement le droit à l'erreur grâce à votre victoire. Pensez-vous qu'elle a été méritée ? Je pense que oui, parce que globalement, on a bien dominé le match. Ouais. Mais on s'est fait peur quand même sur le début de la deuxième mi-temps. Parce qu'ils ont réussi à avoir un rythme que nous, on n'a pas réussi à avoir. Et ils auraient pu marquer si on avait fait quelques erreurs. Il y en a eu quand même, mais on a réussi à se stabiliser. Et au final, on a quand même bien dominé sur leur moitié de terrain. On aurait dû mettre plus de buts, je pense. Ah ouais ? On a eu plus d'occasions. Après, on n'a pas su les concrétiser. Le terrain est difficile et c'était notre premier match. Donc... Je pense que ça sera mieux sur le deuxième match. Oui, c'est bien, vous êtes optimiste. Bon, bah très bien. C'est ça. Merci. De rien.